Et nous voici aujourd'hui sur World Chef pour un tout nouveau épisode, l'épisode 4. Et vous allez voir que ça a tout changé mon restaurant. Et voilà! Donc, ça a tout changé parce que j'ai tout rechangé ma salle et tout ça. Alors là, je vous présente la salle café, que je n'ai pas encore tout fini. Voilà. Là, il y a un restaurant. Comment dire? J'ai perdu mes mots, c'est pas grave. Et là, c'est un peu tout dans cette zone. Là, c'est pour rentrer et tout ça. Là, c'est des spécialités non françaises, quoi, en total. Hein. Voilà. Ah, bah, je viens de passer un niveau, donc ça tombe bien. Nouveau, 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 nouveau. Oui! Allez au magasin, ça va me coûter 2000! Oh, c'est des gros malades. Bon, c'est pas grave. Oh non, c'est quoi ces pâtes à la carbonara, quoi? Oh là là, il faut de la crème et tout quoi. Et c'est où qu'on la trouve cette crème? Ah, la crème, c'est là, je parie. Oh, je suis fort. Oh, la déduction. Non, je déconne. On dirait que nous avons un panier de disponible. Et augmente la quantité que tu achètes à n'importe quel moment avant de recevoir. D'accord. Maintenant, j'ai droit à des paniers. Oh! Oh, je suis riche. Regardez bien. Bouh! Attention, j'ai débloqué un succès entre-temps. Bouh! Je suis riche. Oh, je suis riche. Et en plus, on m'en a donné des grappes de raisin. Pas magnifique, ça? Parce que, en fait, j'ai remarqué que les bouteilles, ça mettait 2 heures à fabriquer. Et ça se vendait moins cher que les raisins quand on en vend 3, qui est exactement le même prix qu'une bouteille. Donc c'est assez chelou. Alors ça, je sais pas combien de temps que ça fait que c'est en vente. Et... Mais bon, pas grave, on s'en fout. Là, je suis content. Ah ben voilà, j'en achète 6, c'est cool ça. Parce que ça commençait à être vraiment être un peu pénible. Parce que j'arrivais pas à gérer par rapport à tout ce qu'il y a. Enfin, c'est compliqué. Donc, hop, on va ramasser tout ça. Donc j'ai enfin trouvé ma nouvelle déco, je suis ravi là. Je suis content parce que j'ai galéré, hein. Franchement, j'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi. Bon, même si c'est pas trop dans mon origine de réfléchir. De toute façon, cette étape. On va faire quoi? Qu'est-ce que tu veux toi? Non. Non! Voilà, alors toi, un steak, d'accord. Spaghetti à la bolognaise. J'ai pas pizza comme ça. Il me faut du jambon. Et le jambon, ça coûte cher. 80 euros. Tout ça pour du jambon, quoi. Ça coûte cher, hein, Jean-Michel, hein, le jambon. Et alors, là, il me faut ça et ça. D'accord. J'étais en train de regarder un truc et... Oui. Alors, hop, on va faire un peu de ça parce que j'en ai presque plus. Qu'est-ce qu'il veut? Des spaghettis? Un café? Non. Parce qu'il faudrait que j'achète le barman et ça coûte un peu cher pour l'instant. Même si j'ai bientôt, hein, quand tu regardes bien. Je les ai presque, hein, mais bon. Non. Ah, attends. Ah, t'es là. Hop, on te sert. Alors maintenant, suivant les ingrédients que tu leur donnes, ils mettent tarpentin à manger, quoi. 20 minutes pour boire une bouteille comme ça, quoi. N'importe quoi dans ce jeu-là. Tu m'appelles le jour où quelqu'un boit 20 minutes. Regardez, 24 minutes en pire. Pire parce qu'il y a ça en plus, tu vois. Et là, il me faudrait des poivrons. Donc, on va chercher tout de suite ça. Poivrons, là. Donc, j'espère que cette nouvelle déco vous plaît. Et si c'est le cas, laissez dans les commentaires si vous aimez bien ma nouvelle déco. Parce que ça me ferait plaisir de savoir un peu. Il me faut du poisson. Ok. Il me faut du poisson. Du poisson, Mamadou Sakho veut du poisson. 100 euros le poisson. 4 poissons, 100 euros. Oh là là. C'est cher tout ça. Oui, d'accord. On va construire un fromage comme ça, moi. Il n'y aura pas de chichi pompon. Ça. Ça. Ça, nickel. Alors, tout roule en ce moment. Ça va, tranquille.
Voilà, alors ça c'est pour mon truc pour améliorer les plats et j'ai pas trop hein. Ça se bouscule pas hein. C'est quoi ce phare? Non, y a rien dessus, dommage. Donc je viens de passer niveau 14 donc je suis content parce que ça c'est plus en plus quand même. Ah, tiens. On va acheter. Ça peut être pas mal. Ça va un peu me coûter la Ça coûte la peau des fesses quand même, hein? Je sais pas si. Qu'est-ce que vous en pensez, mais ça m'a coûté un peu cher, hein? Cher la blague, hein? Du coup, on va en vendre un peu quand même, hein? Parce qu'on va pas garder tout ça pour les clients. Ils me les vendaient à combien déjà? Ils m'en vendaient 8. 364, j'en vends 7, attends. C'était de l'arnaque. Attends, je me suis fait arnaquer aussi. What the? What? Ils y sont plus. C'est bien au chèque que je les ai pris, j'espère. Bon, bizarre, c'est pas grave. Ça m'a coûté la peau des fesses. Donc, j'ai assez pour acheter des beaux trucs là-dedans. Ce serait cool. Oh, j'ai trop envie de mettre un truc comme ça, oh, bien joli. Vous voyez? Mais voilà. Bon, bah, il est mis. Ah, face manip. Non, je déconne. De toute façon, j'allais le mettre. Il est beau. Je le trouve beau, moi, ce truc. Qui veut des bons becs? C'est par ici, les bons becs. On achètera autre chose, bien sûr. Pas que ça. Alors, classique. Qu'est-ce qu'il y a? La salle classique, elle est là. Ouais, pas grand chose pour les trucs classiques. Moderne, je sais qu'il y a des beaux trucs, je crois. Non, même pas. Il y a pas grand chose, hein. Par les petites plantes vertes que j'ai mis, les vitres, comme ça, je pense que c'est bien, comme ça, je trouve ça cool, moi. Non, bah le plus beau, de toute façon, c'est ça reste quand même dans le café. Hein. On va mettre ça aussi. C'est peut-être pas la place idéale, j'avoue. Non, mais. Toi déjà, tu vas te tailler. On va commencer par ça. Tu vas te tailler. Il arrive pas à prendre des décorations sur le mur. Bon, attends. J'arrive plus à les prendre, tant pis. Elles vont rester là. C'est comme ça. This is la vie. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez qu'on voie apparaître dans mon restaurant? Dites-le-moi. Application café. C'est quoi cette lumière? Elle est moche. C'est pour ça qu'on va la mettre. Non, d'accord. Le gars qui se fait des délires à lui tout seul devant son écran en train de parler à sa vidéo. Du coup, j'en ai encore un, mais je m'en fous. Bah oui. Il me manque quoi pour améliorer? Presque tout. Et là aussi. Exactement les mêmes chiffres, quoi. Oh! Oh, ma. Direct, un diamant, lui. Ah ouais, ça c'est gentil, ça. Yo, tu reviens quand tu veux, toi. Je t'aime bien, toi. Oula, t'as le vieux pépé qui arrive. Il est passé par cette porte, vous avez vu? Pourquoi il y a cette porte ici? Allez, ça va pas du tout dans le thème. On va la remballer. Et on va mettre une correcte porte. Hop là, voilà, ça fait direct plus beau, ça se voit. Hein. Voilà, le vieux pépé qui casse tout. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis et j'aime bien casser des délires. D'accord, Jean-Louis. Taille-toi. Je t'aime pas, Jean-Louis. Et oui, il se dépêche de manger, nickel. 87 euros, allez, dans la poche. Annie, Annie, Annie. Un hamburger. Ah, je trouve que là-dedans, c'est vachement exagéré.
Regardez, attendez. Il manque de la tomate et du lait. Il manque de la tomate, du lait, tomate. Toujours, presque dans tous les plats, il te demande de la tomate ou du lait. Tomate, lait, tomate, lait. C'est horrible, tu peux pas améliorer du coup. Lait, comme par hasard, tomate, comme par hasard. Non mais attendez, bon, sauf lui, parce que lui, voilà. Lui, saumon, mais saumon, faut que j'achète des trucs à 50 pour avoir du saumon. Non! C'est des fous, eux. Ça, c'est tout ce qu'on peut avoir. Je n'ai jamais de lait et de tomate. C'est vraiment choquant. Ils veulent pas. Hein. Toi, t'en prépares, wesh. T'en prépares. Donc, t'es nickel, toi. Donc, ça commence à prendre de plus en plus de temps, comme vous voyez, à tout faire. Ah, les hamburgers, j'ai oublié de relancer. Va préparer ça à filet américain. En total, moi j'appelle ça. Comment ça s'appelle déjà? En réalité, c'est un autre nom que ça. Je sais plus. Hein. Jean-Michel ne sait plus. Dans le classique, il n'y a pas grand-chose. J'aimerais bien rajouter un truc. Ben voilà, c'est. D'un seul coup, c'est. Non? Non, c'est pas plus beau comme ça? Allez, on va en mettre deux. Voilà, pour que ça fasse la classe, tu vois, pas qu'un seul. Donc, qu'est-ce qui se passe un peu là? Oh, c'est dit que c'est soldé. On va les prendre, les tomates aussi, peu cher. Quel crétin, ce gars. Va te coucher. Va apprendre à augmenter les prix, crétin. T'appuies sur le petit plus et ça augmente. C'était dur. Avoue que c'était dur à savoir. Oh. Franchement, il faut tout mettre à bloc. Sur tous les jeux, de toute façon, c'est comme ça. Tu mets à bloc. Tu cherches pas à comprendre. Tu mets à bloc. Bloc. Vraiment à bloc, quoi. Par contre, j'ai pas tout compris. Mais parce qu'améliorer, mais pas assez de paniers. C'est quand que je gagne des paniers? Ils m'ont pas dit. C'est ouais. Ils ont oublié de me le dire. J'ai de la farine, nickel. J'ai plus de farine. Mais oui, c'est bon, 18 euros, ça suffit largement. C'est le début de la fortune, 18. Non? Non? D'accord. On va se taire un peu. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Me laisser des commentaires, du coup, sur tout ce que je viens de vous parler. Donc, on va bientôt se quitter. Ah oui, j'ai ça, mais ça, je sais pas où les placer. C'est mural, ça aussi. Oh non. Mais en fait, je comprends pas pourquoi ça sent en dehors du. Voilà. Pourquoi ça rentre pas à l'intérieur? Ça va éclairer le dehors. C'est vraiment crétin, moi, je trouve, ces trucs. Le gars qui dit ça, mais qu'il est aussi crétin que ces trucs. Lampe. Non, mais je veux juste voir à quoi elle ressemble. What? On dirait un lampadaire, quoi. Tu me mets là, là. Comme ça, là. Ça a l'air beau, là. Vous me direz si elle était bien placée. Comme ça, voilà. Il faut que j'attende que ça se vende et que ça aussi. Je vais faire un fric fou. Et que ça pousse. Là, ça me fait 600. 600 et 600. Ça fait 1800. Vous imaginez bien, bientôt j'ai presque assez pour direct acheter le barman quoi. Le barman en plus je sais pas encore où le placer donc je le mettrai pour l'instant là mais je pense pas qu'il resterait là tout le temps. 150 euros. Bon allez, on l'achète même si ça vaut 200 en principe. Hein. Mais bon, c'était juste ce que je voulais acheter. Ce foutu lampadaire. Hein. Ah ouais, là j'en mets un là, un là, un là. Fais voir. Attends. On teste. Juste avant de se quitter, on teste des trucs. Là, ça a l'air beau comme ça. Ah oui, ça fait. Je pense que ça fait super joli. Donc laissez dans les commentaires si vous trouvez que c'est joli. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et c'est tout. Et je vous dis à la prochaine.